les Normands payent un lourd tribut à leur libération. Près de 20 000 civils décèdent et les blessés, les traumatisés se comptent en dizaines de milliers. Pour se protéger du déluge des bombes et bombardements alliés, la population se réfugie sous terre, dans des souterrains, des caves et d'anciennes carrières. Celles de la Maladrerie à Caen ou de la rue des Roches à Mondeville sont des refuges précaires pour des milliers de civils. Paulette, 16 ans, se souvient. Toutes ces personnes entassées, allongées à même le sol, les unes serrées contre les autres jusque dans une profondeur indéfinie, cette vision nous ramenait à l'époque des cavernes. La terreur allemande s'exerce aussi à l'encontre de la population. Les soldats de la Wehrmacht ou de la SS assassinent près de 850 Normands. Souvent, ce sont des massacres purement gratuits. Le 8 juin, à Saint-Floxel, dans le Cotentin, un soldat abat sans la moindre raison 8 femmes et enfants cachés dans un abreuvoir. Les Allemands ordonnent aussi l'évacuation brutale des habitants des zones de combat, non par souci humanitaire, mais pour ne pas être encombrés et par peur de l'espionnage au profit des Alliés. L'exode de 1944 met sur les routes plus de 100 000 Normands, fuyant vers le sud et se retrouvant en fait pris au milieu de la bataille. Il y a plus de bombes, de destructions, de morts et de blessés en 3 mois dans la région que pendant tout le reste de la guerre. La libération est aussi un drame profond pour nombre de Normands.